Alors, je suis Atefalana, je suis non-voyant, je suis formateur de profession dans tout ce qui est informatique et nouvelles technologies adaptées. Et c'est dans ce cadre que j'ai rencontré Olivier, qui m'a présenté son invention. Bien évidemment, en tant qu'utilisateur de la canne blanche depuis toujours, dès qu'il m'a parlé de son idée, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Pour moi, c'est une révolution. Ça a complètement ch changé. En tout cas, ça va changer la manière de se déplacer. La canne, depuis qu'elle existe, finalement, c'est quoi? C'est un bâton. Ce bâton permet d'éviter les obstacles, mais lorsque ce bâton rentre en contact avec ces obstacles, ce que propose Olivier, c'est de percevoir les obstacles bien avant qu'on les touche, à plusieurs mètres. Et donc ça permet quoi? Ça permet d'anticiper. Et ça paraît pas beaucoup, mais en fait, c'est absolument énorme. Le système d'Olivier va même plus loin, parce qu'en vérité, avec ce système de caméra, eh ben, on peut même supprimer la canne. Ça devient en quelque sorte une canne virtuelle, au final. De plus, en tant que un peu connaisseur des nouvelles technologies, le fait que le système d'Olivier utilise l'intelligence artificielle, des algorithmes très puissants, ben, ça met les dernières technologies finalement au service du handicap.